Aujourd'hui, c'est un jour sans produits laitiers, donc pas de lait dans ce qu'on mange. On va essayer de respecter ça. Donc, j'ai encore eu les restes aujourd'hui. Il faut dire que cette viande était quand même beaucoup, donc j'ai ces restes-là avec mon pain protéiné modifié, donc qui est fait de blanc d'œuf. J'ai fait ma boisson avec le blanc d'œuf aussi, le lait d'amande. Le lait d'amande, ce n'est pas un produit laitier. Ça ne contient pas du lait en principe. Donc, j'ai mis du parfum cannelle et j'ai aussi mis de peanuts. Peanut butter, donc l'arachide à l'intérieur. C'est très bon. Donc, c'est ça qui va être mon premier repas. Je suis tannée de la viande ce soir. Je vais manger du poisson. Donc, j'ai fait du poisson là pour la famille. Je vais prendre un petit, c'est la sole, c'est mince comme poisson. Et je vais avoir une petite salade aussi. Donc, ce sera ça pour ce soir. Je suis à court de pain. Donc, j'ai mis du pain, mon pain keto au four qui est là. En train de bien monter. Comme j'en mange chaque jour, ça finit vite. C'est ça pour ce soir. Ce soir, j'ai reçu en journée. C'est une commande de mes produits keto. Ce n'est pas du tout commandité. C'est pas sponsorisé du tout. Je partage juste ça parce que c'est là où je m'approvisionne surtout de mon sucre keto. Donc j'ai quelques affaires keto là. Que j'ai commandé, donc mon édulcorant préféré zéro, il est là. J'ai deux boîtes. J'ai aussi pris ce sweetener. Ici, je vois que c'est raw cane sugar replacement, donc un remplacement de sucre de canne. Ici, je sais plus ce que c'est. C'est ma confiture d'abricot. J'aime la confiture d'abricot. Je pense que j'aime ça plus que la confiture de fraises. C'est sucré avec le stevia, érythritol et stevia. Donc c'est ça. Ah oui, j'ai aussi acheté cette lasagne, enfin les feuilles de lasagne. Ça, c'est la première fois que je vais essayer ça. Paleo keto. C'est fait avec le cœur de palme. Half of palm. Je pense qu'ici ils ont juste mis des chips keto et quoi d'autre et ça simple delish. Ça j'utilise les poudines levure vanille. J'utilise souvent ça pour faire certains desserts. Donc c'est un peu ça ma commande d'aujourd'hui. Mon plat est servi. Donc là j'ai du poisson. J'ai pris un poisson entier. C'est parce que la sole est mince et j'ai vraiment le goût de bien manger mon poisson. Mais ce soir, j'ai quand même un peu triché parce que c'est un jour sans produits laitiers, mais j'ai mis un petit peu de sauce vinaigrette là. Il y a un peu de produits, il y a les produits laitiers dedans. Et j'ai aussi triché avec un petit peu de miando, comme on dit chez nous là, c'est les carbs. Mais oh, j'ai vraiment le goût de manger ça. C'est pas keto ici. Mais tant pis. Juste deux, je pense pas que ça va exploser la balance. Mais bon, en tout cas, c'est un choix fait sciemment. Quand je mange quelque chose qui n'est pas du tout keto, je limite vraiment, vraiment, vraiment. Mais bon, donc c'est ça pour ce soir du jour 8. Yummy. Ça fait un bon bout. Je n'ai pas mangé mes pancakes, non, c'est pancakes, non, c'est gaufre préféré. Et j'ai envie de manger là maintenant. Il est presque 2 heures, donc 14 heures. J'ai pas encore pris de pause. Et là, je veux prendre ma pause. Je vais faire ces pancakes. C'est juste 4 ingrédients. C'est un œuf bouilli, oui, un œuf bouilli, un œuf entier, non bouilli. Je mets une cuillère de fromage en crème et une cuillère, juste une cuillère de farine d'amande.
Donc c'est très très simple, c'est ça que j'ai le goût de manger ce midi. Et j'ajoute aussi du parfum, donc n'importe quel parfum que vous voulez, vanille, etc. Oui, il y a aussi un autre ingrédient, je pense, érythritol, donc pour faire un peu sucré. Et ça se mange avec du sirop, avec des fruits ou fruits comme des fruits keto-friendly comme la fraise ou alors saucisse. J'ai dit, si j'ai parlé de saucisse, oui, on peut le manger avec du saucisse. Et voilà, on va le faire tout de suite. J'ai donc là mon œuf découpé. J'ai donc là mon œuf bouilli découpé. J'ai l'œuf entier. Mon fromage en frais est fini. Je vais mettre ses graisses sur une cuillère. Je vais mettre juste une cuillère de farine d'amande et mon zéro sucre pour sucrer. Le parfum que je vais mettre aujourd'hui, c'est ça. Rhum des îles. Yummy. J'aime ma saucisse à déjeuner qui cuise à côté. Je pense que je vais mettre aussi un peu de cannelle juste pour le goût. Bon, ça va faire trois petites gaufres. Oh, j'ai oublié de mettre la levure. Parfois je mets la levure, mais c'est pas obligé. Je vais aussi me faire un petit smoothie. J'ai donc ici mes gaufres qui sont prêts. Ça a donné trois petites gaufres. C'est pas croustillant, c'est un petit peu malléable, un peu léger comme ça. Et j'ai mon sirop sans sucre. Est-ce que ça se voit? Zéro sucre, zéro net carb. Oups, je vais donc mettre ça là. Et j'ai mon petit smoothie là, aux fraises. Voilà. Ce soir, c'est mon deuxième repas. C'est du poulet avec du riz chou-fleur. J'ai sauté le riz chou-fleur avec un œuf et des épices. Donc, il y a du brocoli. Et voilà, aujourd'hui c'est un jour de keto régulier, donc on n'a pas peur du gras, on n'a pas peur des légumes. Yummy. Premier repas du jour 10 de septembre. C'est un sandwich avec du jambon. J'ai aussi fait les œufs. Donc c'est ça. Aujourd'hui c'est un jour sans produits laitiers. Donc dans mon shake, je l'ai fait avec le lait d'amande. Donc le lait d'amande, c'est pas un produit laitier en tant que tel. Donc c'est ça. Je vais déguster ce bon sandwich que j'ai ce midi.
Mais gros, hein. Il est bon. Donc, ça va m'amener à conclure cette vidéo. Pour le soir, j'aurai la même chose que j'ai eu hier. C'est-à-dire mon reste, j'ai pas fini mon riz chou-fleur d'hier, c'était beaucoup. Donc je vais manger ça avec du poulet. C'est pas beaucoup, c'est juste un peu messy, c'est pas assez. Je vais ajouter un œuf dur. J'ai brouillé quelques œufs. Un ou deux œufs durs et avec mon pain nuage, donc mon pain miracle, qui est juste fait de blanc d'œuf. Donc ça sera ça pour ce soir. Donc c'est ça, si un tel contenu vous parle, vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et d'ici la prochaine fois, on continue à se nourrir. Que du bon. À bientôt. Bye bye.